lavande, portez-vous bien. J'espère que vous êtes prêts. Nous allons travailler un peu les jambes aujourd'hui. Alors, on fait un petit échauffement rapide. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. J'inspire, je descends. Je souffle, je remonte. Ok. Allez, on va aller sur une jambe. Et on revient, puis l'autre, on revient avec les bras, une jambe plus le bras, voilà, tout en douceur, c'est l'échauffement, on pense bien à respirer pendant l'exercice. Une dernière fois, ok, on serre un peu plus les pieds et on va aller fléchir et on revient. C'est une petite flexion, je vous montre de profil. Hop, ça sollicite un petit peu les cuisses et puis en même temps, on échauffe l'articulation des genoux. Ok, on termine par des petites levées sur pointe de pied. Et on alterne. Voilà. Allez, on va partir sur des petits squats pendant 30 secondes. Donc, j'ai les pieds un petit peu plus larges que la largeur du bassin. On se grandit le plus possible. Et on va aller comme si on allait s'asseoir dans une chaise. D'accord? Et on remonte. On part sur 30 secondes de squat. On doit faire attention à ce que les genoux ne dépassent pas la pointe des pieds. Donc pensez à regarder de temps en temps si vous êtes bien placé. Et on pense toujours, je vais m'asseoir sur une chaise imaginaire. Et encore 5 secondes. Et on relâche. 30 secondes de petits squats. Ça va, c'était assez facile. On continue. On va aller se mettre en fente. Donc sur un côté. Même chose, on se tient bien droit. Et notre genou ne doit pas dépasser la pointe de pied. Si je suis ici, c'est que je suis mal placée. D'accord? Attention, pareil. 30 secondes de fente. C'est parti. Allez, je vais chercher à amener mon genou au sol. Je me grandis. Allez, encore 15 secondes. On souffle bien sur la remontée. On inspire sur la descente. Allez, encore 5 secondes. Et on relâche. On revient sur nos squats. On est parti pour 30 secondes. Allez, on part dans 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Allez, on pense bien à tout ce que je vous ai dit tout à l'heure. On se grandit. On va s'asseoir sur une chaise. Et on fait attention à ce que nos genoux ne dépassent pas les pointes de pied. Allez, je souffle sur la remontée, j'inspire sur la descente. Allez, encore 10 secondes, on tient. Et on relâche. On va passer sur les fentes de l'autre côté. Attention, je me place bien. Et on est parti sur 30 secondes. J'amène mon genou au sol. Je me tiens bien droite.
pieds, on revient au centre. Et on va refaire nos squats. Attention, dans 5 secondes. On respire bien. Et on est reparti. Ok, on relâche. On marche un petit peu sur place pour relâcher un petit peu les muscles des jambes. Ça va toujours. Il nous reste 2 exercices. On va aller faire des squats un peu plus grands. D'accord ? Donc là, j'écarte bien mes pieds. Les pointes de pieds sont un petit peu vers l'extérieur. Pas complètement. Et là, on va aller faire des squats sumo. Donc, ça va être des squats bien écartés. D'accord ? On part sur 30 secondes. Vous êtes prêts ? 5, 4, 3, 2, 1. On est parti. Allez, 30 secondes de squats sumo. Vous allez sentir un petit peu plus le travail dans les adducteurs. Allez, c'est bien. Attention, il ne va pas y avoir de pause. Au prochain, on reste en bas et on tient 15 secondes. Allez, allez, allez. Ça va commencer à brûler un petit peu. C'est normal. Attention, on est reparti sur 30 secondes. De flexion. Allez, je pense bien respirer. J'inspire quand je descends. Je souffle quand je remonte. Attention. On reste en bas 15 secondes. Allez, c'est le dernier effort. On tient, on tient, on tient. Allez, ça chauffe, je sais. Je suis dans le même cas que vous. 3, 2, 1. On relâche. Ok. On fait une petite série d'étirements. On va venir prendre son pied derrière. Je colle mes deux genoux. Et je vais attirer les quadriceps. Si vous avez du mal à tenir en équilibre, vous pouvez prendre un appui avec votre main sur le mur ou sur une chaise. Allez, on change de côté. Allez, vous devez sentir là que ça tire sur le devant de la cuisse. On va venir là, on écarte un petit peu les pieds. On va aller chercher le sol. Puis on va aller sur une jambe. Les jambes, elles sont bien tendues. On revient au milieu. Et on va sur l'autre côté. Allez, on revient tranquille, on déroule le dos. Et c'est la fin de cette case du calendrier de l'Avent de Sportez-vous bien. Je vous dis à demain pour de nouveaux exercices.